Salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de notre aventure sur Days Gone comme d'habitude. Mettez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs. Prenez un maximum de kiff évidemment. Un petit truc à boire, pourquoi pas un petit truc à graille. Et faites-vous plaisir, on est parti directement pour la suite de notre aventure avec Deacon. Et re tout le monde, nous sommes repartis dans ce monde de brutes chercher Lisa dans le camp Rogue. Donc on y va de ce pas et nous sommes de nuit, on prend des risques, on aime le danger par ici. Vous êtes très nombreux à chaque épisode à me dire Baby Boy, putain c'est pas écrit assez gros. Fais attention à tes points de compétence, les déstresser. Oui, on vient totalement de croiser un ours dans la parfaite insouciance. Déstresser, je vais les mettre les points de compétence. Avons-nous vraiment besoin de les mettre immédiatement? J'aime bien accumuler. Je trouve ça plus sympa d'avoir 4 points de compétence à se mettre que tout mettre là direct dans l'instant présent. On n'a pas besoin, on est déjà des monstres. Vous inquiétez pas, tout va très très vite. Donc on va chercher Lisa. Je vais m'appliquer vos points de compétence parce que là vous commencez à me gonfler à ce sujet là. Oh la vache. Lisa, je viens de sauver. Ouais, attends Lisa. Hein. Elle est forcément quelque part par là. Attends Lisa. Hein. Alors. Hop, petit coup de bat. Et toi, tu vas prendre ta part. Ne bouge pas tes suivants. Quoi? Wesh. Eux, ils sont chauds. Eux, ils sont chauds. Monsieur? À moi les primes. Eux, ils sont très très chauds, hein. Oh, j'ai pris un coup, frère! Je pense que personne n'était prêt à cela. Ni vous, ni moi, ni eux, d'ailleurs. Hein. C'était très terrible. Très bien, ce qui n'est pas français, hein, très terrible. On va se garer un petit peu plus proche, on va pas abuser des bonnes choses. Bon, ils étaient 4. Eh, vas-y, vous savez quoi? On utilise un soin. Ça va me forcer à vraiment tryhard le truc. Et par la même occasion, on va mettre nos points de compétence. Ok. Le petit moment chiant. Petite. Attends, hein, petite, attends. Donc, c'est parti! Point de compétence! J'en ai exactement 5, c'est incroyable, donc on va les mettre évidemment. Niveau résistance, j'ai encore rien mis, donc c'est là qu'on va commencer les choses sérieuses. Permet de tuer des ennemis plus petits après avoir échappé à leur prise. Capacité à réparer les armes de mêlée avec de la ferraille. Augmente la récupération initiale et la durée du cocktail d'endurance. J'utilise pas trop le cocktail d'endurance, c'est encore peut-être une erreur d'ailleurs de ma part. Donc autant monter le bricolage pour le moment. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On va passer au combat à distance. Combat à distance! Pendant la concentration, les armes à projectiles disposent d'une puissance accrue, ce qui leur permet d'arrêter plus facilement les ennemis faibles et augmente la récupération initiale et la durée du cocktail de concentration. D'accord. Tir de suppression, ça me paraît pas mal. Donc, 2 points de compétence appliqués. On a un niveau de compétence 3 débloqué. Capacité à recharger vos armes à projectiles pendant un sprint. Réduit largement le recul des armes à projectiles. Et augmente largement les dégâts infligés avec les carreaux d'arbalète. Ça, c'est pas mal. On prend. Jusqu'ici, on a mis 3 points de compétence. Vous voyez, tout va très très vite. Hein. Et niveau survie, on a quoi? Augmente la durée d'affichage des icônes en mode survie. Vous donne une chance de récupérer certains carreaux tirés avec l'arbalète. Ça, c'est pas mal non plus. Je pense qu'on va prendre ça. Allez, voilà, c'est fait. Ensuite, niveau 2, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop, voilà. Augmente la portée du mode survie. Pas très intéressant, on l'utilise pas beaucoup. Vous faites moins de bruit en vous déplaçant ou en vous laissant tomber. C'est pas mal. Capacité à récolter 2 fois plus de plantes quand vous les cueillez. Moins de bruit. Clairement, la discrétion, je pense que ça, c'est plutôt cool. Donc, on va prendre le moins de bruit. Voilà une bonne chose de faite. Les points de compétence ont tous été attribués. Vous pouvez respirer. Tout va bien. Bienvenue dans cet épisode 15. Maintenant, on peut commencer les choses sérieusement. Ouais, c'est vrai, j'ai pas encore fini de brûler les nids restants. Vache. Très bien. Donc, on parle de 3 nids à l'heure actuelle. On va prendre un peu de hauteur. C'est très chiant, ça, hein. Ok, je vais essayer de me mettre un mec. Le nid. Il doit être par là. Ok, on a un nid par ici. Lisa, t'es où? Voilà.
pense pas qu'il l'ait vu. Ok. Ça brûle direct. Hein. Très bien. Premier nid, c'est fait. On va essayer de tous les faire. Donc ça promet un épisode très fort en chocolat. Je pense qu'il va y avoir grosse embrouille. Ah bordel, mais tu dois bien être quelque part par là. Vous allez bien? Pied de chaise, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, un pied de chaise pour se défendre, hein. Ok. Là, on a rien. On va essayer de fouiller les maisons, ça reste, à mon avis, important. Ok, j'ai eu très très peur. Très bien. Bon, faut fouiller par ici. Oh, 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 regardez-moi ça. Ça, c'est très intéressant. Je prends. J'en ai besoin. Ben oui, bien sûr qu'on en a besoin. On a toujours besoin de cela. Ah. Ah bah oui, il me faut de la ferraille. Catastrophe. Très bien. Il doit y avoir d'autres nids là-haut. Hein. Si, peut-être un nid aussi d'ailleurs. Il va falloir faire attention. J'aimerais que tout le monde fasse attention ici. Ok. Ok. Ferme-la. Lui, voilà, l'anesthésié. Le cadeau, c'est Bibi qui régale. J'ai peur, hein. C'est quoi ce bâtiment de la mort, littéralement? Ok. Attends, c'est normal que ma flèche a one shot alors que j'ai pas visé la tête? Tant mieux, hein. Je sais que j'ai amélioré ses dégâts, mais à ce point-là, quand même. Ah, c'est embêtant. Oui. Oh oui, je rigole. La vache. C'est une horde. Je suis mort. Il y a une horde à la Walking Dead qui arrive. Ferme-la. Ok. Ok. Il y a une horde. C'est pas possible! Il y a littéralement une horde! Ok. J'ai peur en fait! Comment je suis censé rentrer moi du coup? Oh la vache! Non mais attends, on va attendre qu'elle passe! C'est quoi ce délire? Ok. Non, c'est trop. Ah ouais, d'accord. On va pousser ça pas le moment. Par ici, ouais. Ça doit le faire. Ok. Là-dedans. Il y a une horde dehors. Non mais les gars, j'ai peur en fait. Ah. Ça peut m'être utile. Oui, bah bien sûr que ça peut m'être utile. Ok. Évidemment, je peux pas la fabriquer, la transformer encore. On va garder l'arc. Au moins, je suis sûr que ce sera silencieux. On prend un chiffon. On va déverrouiller ici, hein, non? Ok. Ça fait flipper de ouf. C'est bon. Non mais je suis encore sur la horde là. C'est terrible. Ok, on va se créer toutes les issues. Hein, si ça gêne personne. Et j'ai mis la moto tellement loin. Oh là là. Y'a rien de tel que la ferraille. Très bien. Je suis pas bien. Ok. Notre objectif est ici, on va tout fouiller avant. Bonjour, bonjour, les hirondelles, y'a de la joie. Ok. Ça va servir.
Très bien, bien sûr que ça va servir. Bien sûr que ça va servir. C'est parti. Lisa, ma sœur, tu nous as mis dans une merde. Dans une merde. C'est l'écriture de Lisa, ça. Oh putain, elle est pas là. Je veux tout oublier. À la recherche de Lisa, 97%. Oh, elle est pas là. Ouais. Ça m'étonne pas d'elle. Rouler jusqu'au lieu indiqué. Lisa, je suis venu pour rien. Incroyable mais vrai. J'entends une moto. What? C'est des gentils? C'est sympa ça. Ok. Pourquoi je me suis mis dans la merde pour eux? Pourquoi je me suis mis dans la merde pour eux? Expliquez-moi. Expliquez-moi le projet. Allez, vous êtes combien? Ah! Je rigolais, vous le saviez, hein? Ah! Ok. Ils comprennent pas les blagues. Je suis mort. Je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire, eux? Ils prennent des raccourcis, mais ça y vient l'intelligence, c'est con! Ouais, bah écoutez les gars, on repassera plus tard, d'accord? J'ai pas envie de niquer toutes mes balles dans ces conneries. Oh la vache! Oh les sorties de nuit, c'est terrible! Allez, direction le camp! Aucun souci! Oh mais c'est incroyable la pression que ça met, hein! Ça plaît, ça! Voilà. J'espère que ça te plaît, moi ça me plaît en tout cas, mon pote, hein. La pression que ça colle! Incroyable, hein! Incroyable! Allez! Direction la suite de notre aventure. On va renseigner un petit peu, on va essayer de comprendre où est Lisa. A mon avis, c'est mort, on va directement passer à autre chose. Elle nous fait clairement. Cascade! Oh, bon ça! Cascade couplée à un petit croche-patte. Incroyable. Ok. Voilà, tirez. Hein. Voilà, tirez. Nickel. Bon! Allez, direction notre objectif. Bon. C'était qui ces deux là qui sont arrivés? Je crois pas que c'était des méchants. Je ne pense point. Hop. Attends, je peux faire un micro-cascade ou pas? Hop. Elle était incroyable la cascade d'avant. Hein. Le mec, je vais tacler les chevilles à ce bâtard. Hop, voilà, on spawn partout, ça fait plaisir. Ici, c'est le plaisir qui prime, ok? Passez par ici, putain, c'est incontrôlable dans les lieux aussi étroits. Et ben voilà. Bonjour! J'ai failli mourir. Y a pas des trucs à acheter? Bougez pas. Ok. Bah c'est la mission qui se lance, c'est pas grave. C'est comme ça, ça va m'apprendre. Hey, viens voir comment va notre gros flemmard de service. Comment tu te sens, Boozman? T'en as pas marre de traîner au flemmard? Boozer? Tu peux pas rester là, Deacon. Du calme, Deacon. Comment il va? Il a besoin de repos. Ne prends pas pour un bleu, Eddie. J'ai demandé comment il va. Ça va. Pas fort. Putain, qu'il fait froid. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit jamais. Attends une minute. Tu dis j'ai dit qu'on ferait notre possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Attendre. Ok. D'accord. Deacon. Non, rien. Hey, tu sais quoi? Deacon, arrête! Stop! T'as envie de te défouler sur quelque chose? Je le lis dans tes yeux. Tu sais quoi? Si c'est vraiment ce que tu veux, fais-le dehors. Allez, dehors. Écoute, tu ne peux rien faire pour le moment. Je t'en prie. Rentre chez toi. Tu peux. Rentre chez toi. Deacon. Dick.
Ok, j'ai littéralement été mis à la porte. Pouf, disparu. Marcher avec Schizo jusqu'au chalet de Lost Lair. Juste besoin de se reposer. Ça sent pas bien. Viens avec moi au chalet. Je voudrais te montrer quelque chose. Oula. J'ai des trucs à faire. Hé, je prends de gros risques. Crois-moi, tu seras pas déçu du voyage. Oula. Écoute-moi. Il y a 2 mois, un drifter a débarqué au camp. Il racontait des trucs délirants. Il disait qu'il faisait partie du personnel au sol à l'aéroport de Farewell avant que tout parte en couille. Une nuit, ils ont attendu un vol de Portland, qui s'est jamais pointé. Et l'avion, il trimballait du matos pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge? Ça y est, t'as compris? Une soute pleine de médocs et des trucs de docteur. Peut-être même des antichats. C'est un piège, ça, non? Ce genre de bordel. On est tombé des sur antibiotiques. À moitié à ouais, des trucs dans le genre. C'est ça. À croire qu'il s'est où ça? Hey, parle moins fort, on causera à l'intérieur. Ça sent le piège, ça, non? Donc, notre drifter. Il bossait dans la tour de contrôle quand l'avion a disparu des radars. Pouf! Tout à coup, disparu. C'était un... par là. Au sud du mont Washington. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il s'est posé sans trop de casse, genre crash contrôlé, tu vois. Notre gars a entendu le pilote se vider de son sang. Fracture du bassin. Ok, donc vous avez envoyé personne sur le site? Non. Pourquoi? Le vieux était catégorique. Iron Mike, pourquoi? Ah, je vois. Des Reapers. Tu comprends vite. Tout ce qui se trouve à l'ouest d'Iron Ridge, là, appartient à Carlos et à sa joyeuse bande d'apprentis mutants. Chiotte. Donc si tu te fais choper là-bas, fonce vers le nord, mec. Sans ça, le traité d'Iron Mike avec le Reap... Ouais, ok, j'ai pigé, c'est bon. Mais j'ai une petite question. Pourquoi tu me dis tout ça? Voilà, une seconde. Primo, je t'ai rien dit du tout. Oublie jamais ça. Deuxio, t'es un putain de drifter. Je suis censé faire quoi? Te coller au cul comme un clébard? Te sauver la peau, c'est ça? Ok. J'ai d'autres choses à faire. J'ai compris, t'es juste un mec réglo parmi tant d'autres. Pas vrai, Schizo? J'essaye juste de survivre. Comme tout le monde, en fait. Hé. Hey. Fais ce que t'as à faire. Au final, c'est tout ce qu'on a. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Surveille ton Toki. Je te recontacte. Très bien. Bon, quoi qu'il arrive, ça sent un petit peu la merde. Quand Iron Man... Allez, on monte d'un niveau, les gars, s'il vous plaît, un peu, là. Point de compétence, ça par contre c'est pas négligeable. On va directement se l'attribuer parce que je vous vois déjà en train de gueuler là. Augmente la portée du mode survie et capacité à récolter 2 fois plus de plantes, ça c'est plutôt cool. Donc on va le prendre de ce pas et on passe niveau 3. Et je sens que le niveau 3 va clairement nous régaler. Niveau de compétence 3. Le boucher augmente la quantité de viande récupérée sur chaque animal. Réduit le temps de régénération de l'endurance, ça c'est ouf, clairement. Et met les ennemis en surbrillance en mode survie, c'est pas mal non plus. Très très bien. Bonne chose de fait, on peut se casser. Ouais, Schizo, on peut toujours compter sur toi. Merde, et maintenant? Ça craint de rester ici les bras ballants. Eh ben on va tenter, mais avant ça, on va faire un petit tour un peu dans les boutiques du côté de chez nous. Donc on a de quoi dormir ici et de quoi save, c'est plutôt pas trop bon, on va pas se plaindre. On a un boucher ici. Quoi? Non. Voilà, les cuisines. Normalement dans les cuisines, il y a toujours des petits trucs un peu sympas. Je suis passé derrière la cuisine, qu'est-ce qui se passe là? Ok, non, c'est pas ici. Donc cuisine, on va tout revendre, d'accord? Donc vendre tout, c'est parti. C'est tout pour aujourd'hui. T'es censé me régaler, frérot. Ok. Et non, en fait. Attends. On peut que vendre, on peut rien acheter. Eh, mais ils auraient pu faire des trucs cool quand même. Y a rien vraiment. Attendez, peut-être dedans, non? Je sais pas. Peut-être que quelqu'un a pensé à moi dans ce monde de brut. Non, on peut dormir. Hop, voilà, au moins on save, c'est fait. Y'a rien. Mais quelle tristesse. Y'a même pas de bandage, rien. Casier d'armes, très bien. Bon, au moins j'ai une maison, mais bon. On va vendre les oreilles. On va aller voir le vendeur d'armes, ça m'étonnerait qu'il ait des soins, vraiment.
Mais quand même, on sait jamais. Hop, notre moto, normalement, elle est bien garée. Vendeur d'armes, vas-y, fais-moi rêver. Hé, hey, je voulais te demander. Ouais. J'ai entendu vos motos hier soir à toi, Ricky, et... C'est qui, l'autre type? Ah, Boozer. Son vrai nom, c'est William ou Bill, mais je l'ai toujours appelé Boozer. Faut pas chercher. Pourquoi? J'allais pas... Enfin... Il va s'en sortir? J'étais passé dire bonjour à Adi. J'ai vu qu'il avait pas l'air en grande forme. Ouais, ça va aller. Dès qu'il sera rétabli, on file vers le nord. Ok? Alors... Alors, tu laisses tomber. Compris? Ouais. Ben, c'est fort problématique, cette petite histoire, si je puis me permettre. Pop. Voilà. Cette fois-ci, j'ai acheté un silencieux pour mon pistolet. C'est fort problématique, cette petite histoire. Est-ce que toi, je peux te vendre des trucs cool? Vendre tout? Ouais. J'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose, je suis vraiment désolé. Salut. Très bien. On va aller voir le mécano, faire un plein d'essence. Mais non, on a toujours pas notre mission, va falloir qu'on quitte le camp. Et toi? Pour qu'il m'appelle, je pense. Fais gaffe à ton commerce. Très bien. Bougez pas. Esthétique, non. Faire le plein, allez hop. Je t'ai fait une sacrée consommation, toi. $250, c'est $250. Il achète toujours. Allez, le plein. C'est quoi le R? Attendez. Oh là là, d'où Jésus? D'où Jésus? Ricky, aucun job disponible. Ah! Allez, on s'en va. Hein. J'y ai cru. Tant pis, c'est pas grave. Bah écoutez, on va où? J'ai bien envie de retourner là-bas, dans cette merde infâme. J'adore le caca, donc c'est parti, on y va. En attendant, on ait une nouvelle mission, tout simplement. Pourquoi pas nettoyer un petit peu le camp. Ça peut être pas mal, on a brûlé un nid, il y en avait 6, 5 et 6. Donc, c'est déjà un fait. Attends, par où on passe? C'est fort problématique. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, allez, on y va, et comme ça, on terminera la vidéo. Et la prochaine fois, on ira vers le nord, je suppose. C'est parti! Regardez, on va pas tarder à recevoir un appel. Écoutez bien ses propos, maintenant qu'on est à l'extérieur. Tout va très très vite par ici. Parfait. Hey, Saint John, tu me reçois? Alors? Ouais, excuse-moi. Je te reçois. Tu sais ce truc dont on m'a parlé? Il va me falloir un peu de temps. Je vérifie la sécurité à la frontière d'Ironwood. J'évalue la situation au niveau Reaper. Qu'est-ce que je veux dire? Non, Schizo, je vois pas du tout. Si tu me faisais un dessin. Bien essayé, petit Mariole. N'oublie pas que je prends des risques dans l'affaire. Ne le fais pas regretter. Bon, je te recontacterai bientôt. Attends, rends-toi utile au camp. Prouve qu'Iron Mike avait raison pour une fois. Ouais, bien sûr, tout ce que tu voudras, tout ce que tu voudras. Terminé. Ok, vous êtes prêts? C'est des méchants? Qu'est-ce que c'est que cette descente? Les maraudeurs. C'est des méchants. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. C'est totalement des méchants. À l'époque de la Révolution américaine, quand on se battait pour notre liberté, on a obtenu le droit de porter des armes. Ce droit, on s'en est servi pour protéger nos familles, nos possessions et nous-mêmes. Mais notre cher gouvernement fédéral s'est mis à avoir peur des gens qu'ils avaient juré de protéger. Il nous a supprimé tous les droits au port d'armes possibles, en utilisant quelques tueries de masse comme excuse pour nous priver, nous, citoyens américains, de notre droit divin. Le contrôle des armes à feu. C'était le début de la fin du deuxième amendement, mesdames et messieurs. Okay. Dites-moi une chose. Si chaque Américain avait eu un flingue en main quand toute cette saloperie a commencé, vous croyez qu'on serait dans cette merde? Ils sont déjà là? Sûrement pas. Quand même pas. Mais c'est ce que voulaient les fédéraux. Désarmer le peuple, c'était la première étape pour nous éradiquer. Alors, attends, j'ai vraiment pas le temps, frérot, là. Elles étaient censées protéger qui? Certainement pas nous, les honnêtes contribuables. Ok, José Brain. Un jour. Très bien. Si on se sort de tout ça, il me faut du bois. J'aimerais bien faire un sondage. Ça serait vraiment pas mal. Je vous parie que les survivants, ok, j'ai du bois. Des armes. J'ai du bois, qu'est-ce qu'il me manque? Peut-être un chiffon? Ne gobez pas les mensonges. Vous croyez qu'il me manque un chiffon? Ok, Coop, là, je suis d'accord avec toi. Il me faut du kérosène. Je vais récupérer tous les flingues que je peux trouver et personne mettra la main dessus. Dur, dur, dur. Oh, bordel. Bon, autant jeter un coup d'œil. Très bien, hop. Ça, c'est fait. Il me faut du putain de kérosène. Hey, Saint John, tu me reçois, mon frère? Je te reçois, Schizo, mais je suis pas ton frère, putain. Ok, c'est toi qui vois. Moi, je fais ce que je peux pour aider ton frangin, c'est tout. Ce truc dont on a parlé,
Disons que ce serait le bon moment pour y aller. Oh, tu veux dire que j'aille à la frontière des Reapers ? Très drôle. J'ai rien dit de tel. Tout ce que j'ai dit, c'est que si tu prévoyais d'aller faire un tour, comment vous appelez ça, vous les drifters ? Enfourcher ta bécane, eh ben ce serait le bon moment. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Schizo, comme toujours, je vois ce que tu veux dire. Terminé. Très très bien. Ok, je suis max niveau mune. Il me faut du kérosène, c'est fort problématique, sinon je peux pas brûler les choses. Brûler c'est mal, mais tout de même. Donc un petit peu de kérosène, ça me ferait extrêmement plaisir. Abusez pas. Un petit peu, s'il vous plaît. Oh, des soins. Hop, ça je prends. Ça vaut toujours le coup, mon petit pote, c'est moi qui te le dis. Toujours pas de kérosène. Allez, putain. Foutez-moi du kérosène dans la gueule, là. Très bien. La mission, hop, elle est ici. On va pouvoir y aller. On ira la prochaine fois. Continuez de fouiller tout de même. N'abusons pas des bonnes choses. Ok. On a un nid là-dedans, je pense. Oh, je dois pas être loin d'un nid. Ouais. Je le sens. Il me faut du kérosène, les gars. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Juste du putain de kérosène. Dans les cuisines, il y a tout le temps du kérosène dans les cuisines, non ? Oh, il tire. C'est pas grave, on va dire que pour l'instant, il m'offre une couverture. Bon, on a détecté un nid par ici. Ici, il n'y a rien. Ma manette a vibré, ça, j'aime pas. Pas de kéro ici ? Pas de kéro. Putain. Excusez-moi de cette vulgarité. Kérosène. Ok. Kérosène, très très bien. Pas d'autre kérosène ? Pas d'autre. Ah, si je... Si j'avais... Oh, 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 oh. Si j'avais su qu'on manquait aussi facilement de kérosène, eh bien, j'aurais peut-être mieux prévu les choses, je sais pas. On peut pas ouvrir, c'est parti. Sachez un truc, c'est que j'aime énormément les records de Days Gone. Alors, certes, je prends mon temps. Mais je kiffe vraiment, vraiment. J'aime le jeu, il a ses défauts. Deacon n'est pas spécialement charismatique, hein. Voilà. Les transitions entre cinématiques, c'est terrible. Il a ses défauts, très clairement. Mais qu'est-ce que j'aime ce jeu. Parce que je le trouve chill, maniabilité impeccable, très beau aussi. Ok, désolé, j'avais besoin de me concentrer. C'est pas fini, je suppose qu'il y a encore quelqu'un là-dedans, non? Pas de kérosène là pour la suite? Ah, non. On a un attrapeur, on a des cailloux. J'ai des trucs sympas en vrai, on essaiera d'autres trucs, hein, de ces quatre. Hein. Une bouteille, c'est pas mal. Je prends. Je l'avais pas vu. Peut-être un peu de kérosène là? Non, même pas. Quel dommage. Très bien! Bon bah écoutez, il reste 3 nids. On va pouvoir, je pense, s'arrêter là. Ah, ça m'embête quand même. Chiffon. Ah, attendez, peut-être un peu de kérosène. Oh, je sens du kérosène. Pas de kérosène, les gars, sérieusement? Des bandages, je prends. Je commence à me refaire niveau bandage. Ah, on a quelque chose. Non, c'est une porte. Pas de kérosène, réellement, là? Kérosène! Allez! C'est chaud, hein? Ça se joue à très très peu, hein? Bon! Bah écoutez, j'ai carrément quasi tout fouillé. Je ne sais pas parler, c'est terrible. Là, ça sent le piège, là, non? Ouais, 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 ouais. Ok, bah non, j'ai déjà fait ce nid-là. Par contre, des clous, je prends. Ah, c'est l'occasion de tout fouiller, hein, écoutez. Quitte à être ici. Pourquoi pas aussi encore du kérosène.
Kérosène? Oh oui. Oh oui. Encore et encore et encore. Hop, c'est fait. Bouteille, c'est fait. Bon, bah y a pas de nid ici. Je suis fort déçu, enfin on l'a déjà fait du moins. Très bien. Allez, on va vraiment chercher tous les nids. Direction la moto. Direction la moto. On a fait tout ça, je crois. Ouais, on a été là-haut. Il manque plus que là-bas. Oh, ça va être intéressant. Je pense sincèrement qu'il y a des nids. Et que les deux derniers sont par ici. Très, très bien. Ok, donc il y a bien des nids ici. Où il est, ce putain de nid? Il est près de toi. Oh, fais chier. Parfait. J'ai Denis par ici. Et je parle pas de Denis Brognard. Encore un feu à volonté. Ok. Voilà, ramassez-moi tout ça. On va recharger pendant qu'on peut notre moto. Bah j'ai les trois nids, ça y est. Il me faut juste du kérosène et on se régale. T'en avais bien besoin. Ok. Ça y est. Donc, on va commencer par celui-ci. Ok, faut vraiment que je sois proche. Voilà. Ah. Très bien, on va se soigner calmement. Maintenant, on va plus faire les cons. Ça, c'est fait. Ouais, je tire, mais c'est pas grave. Hein. Il y a des munitions un peu partout. On les a vues tout à l'heure. Très, très bien. Oh, regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Regardez-moi ça. C'est un gros kit, mon pote. Ça, c'est fait. On va aller faire là-haut, mais avant cela, on va fouiller. Forcément, un peu de kérosène là-dedans. Ouais, je suis énervé, là. Ça se ressent ou pas? Ok, un petit mode instinct. Oh putain, il est là, l'autre nid, fait chier. Ok. Il y en a un en haut et un en bas. Allez, c'est parti. Impeccable. Je crois qu'il y a quelqu'un qui suffoque là-haut. Qui a du mal à sortir peut-être. Il va me tomber sur la gueule ou pas? Oh là. Ah oui d'accord. Bah alors... Ok. Beaucoup de pour rien toi. Hein. Bon bah c'est très bien. C'est très bien. Il me manque un nid. Ça serait dommage de s'arrêter quand il me manque un nid. On sait où il est. Ça serait pas mal de le trouver maintenant. Enfin de le brûler pardon. De trouver de quoi le brûler. Allez, un peu de kérosène, là, s'il vous plaît. Attends, peut-être là-haut. Peut-être là-haut ou dehors. En plus, on est dans une station essence. C'est quand même ballot, dans une station d'essence,
de pas trouver de kérosène, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin... C'est un peu ridicule, on est d'accord. Ok... Cascade ! Voilà. Double cascade ! Elle était pas prévue, celle-ci. C'est incroyable. J'ai pas trouvé de kérosène, les gars. Si, c'est bon. Incroyable, j'ai trouvé du kérosène. Hop. Voilà une bonne chose de faite. On va pouvoir s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Évidemment, comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu tout de même. Et on se retrouve très bientôt pour la suite où on continuera notre aventure principale. Mais là, je trouve... Voilà. Je trouve que cette connerie, ça vaut le coup. On va pouvoir se téléporter, avoir de l'essence. Attends, ça a pas brûlé? Ah si. Et ça, c'est beau. Et en plus, normalement, regardez. Le camp d'Iron Mike. Regardez le camp d'Iron Mike. C'est pas incroyable, ça? C'est pas incroyable, ça? C'est le dernier. On est passé niveau 2. Putain, ni ailleurs. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Allez, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite. A bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.